Désolé, hein, je suis vraiment malade depuis aujourd'hui. Mais bon, voilà, Je fais respectez au cet mieux. homme qui vient, malgré la maladie, vous commenter une run. Alors, au niveau des runners, oui, il y a des personnes que vous aurez déjà vues. Vous aviez Aera51 qui était dans la race Mario Maker, on va dire des casuals. Eh bien, il sera là pour la Zero Exit. Carl Swagan est là aussi encore, à nouveau. Ensuite, on a Seth Bling et Dotser Cool, donc qui sont deux des personnes qu'on a dit dans le leaderboard. Donc ça constituera la race Zero Exit. Et pour la race 96 Exit, par contre, c'est quatre personnes que vous n'avez absolument pas vues, qui sont Truman, X-Paco, Kakusho et Akisto. Alors oui, je vois aussi la question, est-ce que la 96 Exit sera aussi une race? Donc bien entendu, ce sera aussi une Oui. race 4 personnes. Donc ça va être assez difficile entre guillemets de vous commenter les quatre écrans évidemment. Exactement. Donc on va Est-ce que... surtout se concentrer sur celui on va dire qui est le plus en avance pour faire au niveau par niveau. Et après si on voit il y a des tricks on va dire assez impressionnants, on retournera en arrière sur les jeux de joueurs. Mais ça peut se jouer à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a certains tricks qui font vraiment gagner une minute et d'autres qui vont faire perdre quelques secondes mais qui sont pas très graves. Par contre il y a surtout des moments où, par exemple, garder Yoshi est impératif, ou garder la cape est Tout à fait. impératif, et si on la perd, là c'est vraiment dramatique. Mais pour la Zero Exit, vous allez voir, c'est complètement différent. D'ailleurs, tu pourras rester avec moi, je pense, pour Yoshi Island, parce que Exactement, c'est quasiment similaire. c'est tout à fait. J'ai justement travaillé la run au cas où parce que enfin voilà, ayant travaillé sur la Zero Exit, je voulais savoir s'il y avait des choses similaires. Et effectivement, il y a beaucoup de choses similaires. Alors Alors. non, non Reborn, on ne fait, il n'y a pas eu de raid chez les autres streams. Ça c'est MV qui, s'il le veut, les organisera, mais ne les faites pas à la sauvette ou quoi, c'est moche. C'est une bonne intention, mais bon, s'il y en a que deux ou trois qui viennent, ça fait un petit truc un peu ridicule. Nous, on veut faire des trucs strong. Il y a une réputation à tenir, la communauté française. D'ailleurs, si vous voulez vraiment la maintenir, continuez de sniper et de faire en sorte que les dons que vous avez sur le côté gauche de votre écran soient gagnés par tout ce qu'on a 7. Donc Canon, Zo, le Germensch et Yamato Exerve si vous le voulez. Mais bon, Tio Brando, c'est la classe. Alors, le point World Record. Je veux bien le faire. Ah bah attends, je l'ai sous Vas-y. les yeux si tu souhaites. Vas-y. Pour le Zero Alors, Exit. pour le Zero Exit, nous avons donc Panga Panga qui, il y a 9 mois, nous a fait donc un World Record à 1 minute 38 secondes 700 millisecondes. Nous avons donc Carl Sagan 42 qui, il y a 10 mois, nous a fait donc une seconde place à 1 minute 41 secondes et 200 millisecondes. Il est deuxième ex aequo. Comme quoi ça se joue absolument à rien à cette catégorie avec Dotser Cool, donc qui lui aussi a 1 minute 41 secondes 200 millisecondes, et le quatrième Area 51 qui lui a 1 minute 48 secondes et 540 millisecondes. Alors, on vient de présenter les runners, donc de droite à gauche, vous avez Dotser Cool, Aera51, Carl Sagan et Seth Bling. Et je pense qu'ils vont pas tarder, ils viennent de donner le go apparemment, ils sont en train de Alors, se dire bonne chance. on va peut-être commencer à expliquer ce que vous allez voir parce que ça va aller très Vas-y, vite, je te laisse mais faire. surtout vous allez pas, je suppose, forcément tout comprendre. C'est Même parti. alors. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir donc un début du premier monde donc de Super Mario World. Donc le monde ne va pas être joué comme vous aurez l'habitude de le voir dans les autres catégories. En fait, nous allons simplement utiliser diverses composantes du niveau pour coder dans la console un bug qui va nous permettre de charger dans la mémoire les crédits de fin du jeu, tout simplement. Voilà. Donc Yoshi est totalement indispensable pour ça parce qu'en fait il a la capacité en fait quand il avale les composants ah, il y a un petit souci là. Ah non, c'est normal pour l'instant.
En fait, il y a une nouvelle manière maintenant de faire le... Toi, t'as dû être encore sur l'ancienne version du Warp 2 Credit, là, il y en a une nouvelle depuis. Ouais, mais donc c'est pas une 0 exit. Là, ils ont pris une sortie. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas. Ils vont te montrer, tu vas comprendre. En fait, on fait tout à travers. Jusqu'à présent, on a toujours fait à travers le premier niveau la possibilité donc de charger les crédits de fin. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle la zéro exit, parce qu'on ne prend aucune sortie. Là, on en a pris une. Donc, je ne comprends pas. Non, mais le truc, c'est que maintenant, ils ont trouvé une nouvelle manière en fait de faire le setup en RTA. Donc, ça veut dire qu'il y a sûrement un reset. D'accord. Le glitch, il va arriver dans le prochain niveau qui arrive là. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que le World Record n'utilise pas cette technique là. Oui, non, mais c'est comme ils ont dit, c'est juste qu'ils ont fait une strat qui est beaucoup plus facile à exécuter en RTA pour que justement pour les besoins du marathon, ils puissent montrer le. Comment ça s'appelle? D'accord. Puissent montrer justement le glitch. Voilà, parce qu'effectivement, ça se joue, en tout cas pour le World Record et les temps que nous vous avons cités tout à l'heure, qu'on manipule la console au niveau matériel. C'est comme si on développait dans la console en faisant des manipulations avec le jeu. Tout se joue à la frame, pixel, seconde, milliseconde près, pour pouvoir en fait rentrer des informations dans la mémoire, ce qui va nous charger la cinématique de fin. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui a été très très longtemps tassonné, qui a pu être fait à la manette, mais qui était vraiment très compliqué et qui souvent ratait malheureusement. Alors peut-être que pour le marathon, ils utilisent une autre route beaucoup plus safe. Là, du coup, on voit déjà que sur divers écrans, vous voyez, ils ont le Mario glitché avec un color swap. Donc ça, c'est déjà les premières étapes sur le nouveau setup. Vous le voyez qu'il va quitter le niveau et le relancer plusieurs fois, parce qu'en fait, le but, c'est de faire spawn les doubles Yoshi que vous voyez, parce que de temps en temps, ils arrivent à en faire popper deux. Et ça, ça increase les malheurs de la mémoire dans la console. Donc là, pour l'instant, ils sont en train de juste faire le setup du glitch. Le glitch n'a pas encore eu lieu. Là, vous voyez, par exemple, en haut à droite, il a réussi à faire un pop, un double de Yoshi. Normalement, il y a un premier bloc, mais là, ils font spawn un deuxième bloc. C'est un peu ce qu'on appelle les développeurs blocs. C'est-à-dire, c'est les blocs qui sont cachés et que vous devez trouver au-dessus. Bon, c'est pour ça qu'il est très, très important de récupérer le Koopa pour pouvoir justement proc le bloc qui est au-dessus. Donc voilà, paf, en haut à droite, vous allez voir, double Yoshi. On en suicide un, et l'autre ensuite pop instantanément, donc du coup on le récupère. On prend les pièces, continue d'augmenter la mémoire. En bas à droite, il est déjà prêt là pour faire le glitch. Donc là, ça va être déjà beaucoup plus proche de ce que tu connais, regarde. Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Donc du coup, il avale des ennemis pour ensuite leur cracher, ça change les variables encore une fois. En fait, le but, c'est d'arriver à mettre le slot 0004 à l'état 1. Ça, c'est le plus important. Pour justement commencer à charger. Alors, il est bientôt fini le setup à droite. Donc là, il fait exprès de pouvoir trigger avec des changements de caméra. Le fameux champignon qui lui va compléter la séquence, ça c'est vrai. Et voilà, normalement. Voilà. Il a freeze. Ça a freeze à droite. Ah. Et ça a freeze à gauche aussi, a priori. Donc du coup, ça va être du reset. Ah, de toute façon, on pensait que ça allait pas pouvoir être fait dès le premier coup. C'est tellement précis. Par contre, le setup se précise sur les deux concurrents qui se situent en haut, en espérant qu'ils ne frisent pas. Alors, la raison pour laquelle ça frise, c'est parce que du coup, les valeurs étaient erronées. Alors, à droite, il l'a raté aussi. Est-ce qu'il va l'avoir à gauche? En haut à gauche, c'est le dernier concurrent qui est encore en lice. Alors, le champignon, il arrive. Est-ce qu'il a eu les bonnes valeurs? Attention. Ça pas freeze. C'est bon. Non, c'est bon. Et voilà. Il l'a eu. Donc comme quoi, vous avez vu que le setup était quasiment identique. Ça a dû se jouer sûrement à une frame à un certain moment ou à un
une pièce, une sur la chose. Et voilà, et ça fait toute la différence, et c'est vraiment, ça se joue vraiment à rien du tout. Par contre, effectivement, je ne connais pas, c'est pas ce setup vache, enfin, plus safe. Oui. Voilà, comme on a dit, c'est pas que c'est un 0 exit, ça fait les mêmes résultats qu'un 0 exit, mais on setup les variables de manière un peu plus stable et facile à reproduire en allant dans deux autres stages. Donc c'est la raison pour laquelle ils l'ont fait, parce que c'est beaucoup plus facile à faire. Normalement, en fait, ce que vous venez de voir, ça devrait pouvoir être fait à partir seulement de ce du niveau, premier voilà. Niveau, voilà. Exactement, c'est pour ça qu'il s'appelle le Zero Exit. Mais ah, il l'a eu à droite aussi. Oui, oui, c'est pas, ouais, c'est fait. Ouais. Et donc pour finir, vu que c'est quasiment pass only, c'est des, souvent des dizaines, ça peut arriver même des centaines de tries pour pouvoir y arriver. À la manette, je parle. Il s'avère qu'ils ont trouvé une solution plus safe qui fait qu'ils vont donc dans d'autres niveaux, mais bon, ils le considèrent quand même comme une race zéro exit. Ouais, en fait, voilà, c'est juste pour le marathon. Hein. C'est voilà, setup c'est pour marathon. Le marathon. Exactement. Et par contre, les deux autres concurrents ne le retentent pas. Oui, ça sert à rien du coup, là, les variables sont beaucoup trop fucked up. Ouais, parce qu'une fois qu'on a commencé à modifier la console, je crois que même avec un reset, une partie de la mémoire est déjà modifiée, donc on ne repart plus dans le même état. Ouais, à ce moment-là, il faut faire un hard reset complet. Exactement. En enlevant carrément le bloc d'alimentation, etc. Donc ça sert à rien. Alors du coup, on va passer à 96 exits, donc là on a le setup. Exactement. Je pense qu'ils vont juste switch à des cartouches et des SNES japonaises, j'imagine, et changer les runners, donc on devrait avoir pourquoi 3-4 minutes, ça devrait aller. Non, si ça freeze, c'est pas perdu. Le freeze, le premier freeze est normal, il faut juste que ça défreeze, sinon ça ne marche pas. We have a $69.69 donation. Alors du coup, le 86 exit, on va partir normalement pour une run qui va durer 1h25, 27. Enfin, estimé 1h30 effectivement. Voilà. Après les temps, ça va être entre 1h25 et 1h27 s'ils ont des runs oui. Convenables. Au-dessus, c'est un petit peu la lose. Mais bon, ça va surtout, comme je vous ai dit, jouer à des tricks. Parce que de toute façon, la route, ils vont tous utiliser la même. Si vous avez pas vu une 96 exit depuis au moins un an, eh ben ce sera sûrement pas la même auquel vous êtes habitué, parce qu'il y a des nouveaux routings qui ont été découverts. Oui. Là en fait normalement on fait les 7 premiers mondes pour finir au château de Bowser. Vous allez voir qu'on va faire en fait les 3 premiers mondes et qu'après on va commencer un petit peu visiter ce qui est pas normalement vu au premier playthrough. Hein. En tout cas, le stream américain vient de pique-nique, donc ne vous inquiétez pas si l'image. Ah, j'étais en train de me demander si c'était moi ou si. D'accord, bon. Non, le stream américain a RIP, donc du coup, vu que le stream français a un feed VLC, du coup, bah là, il est stoppé, le freeze VLC. Donc dès que le stream US va reprendre, ça sera refresh chez nous, vous inquiétez pas. Et donc, de toute façon, nous, pour les commentaires, vu qu'on est sur la même chose, peu importe, on sera capable de vous faire des commentaires timés, ne vous inquiétez pas. Alors Golden n'a plus le World Record, non, depuis un long moment sur le 96 Exit. À l'heure actuelle, donc pour le 96 Exit... C'est Green Death Flavor qui a le World Record en 1.23.28. Oui. C'est une run assez récente d'ailleurs, 2015, 29 juillet. X-Paco encore plus récent, 29 décembre et 31 décembre pour Kakusho. Donc bon, c'est vraiment des records qu'ils ont dû faire quand... Ah non, pardon, le 31 décembre c'est 2013, pardon. Mais le 29 décembre 2015 pour X-Paco, il a dû faire ça en training post-AGDQ, donc c'est très très pour, récent. Pour le 96 Exit, tu as qui toi en World Record? Green Death Flavor à 1.23.28. Ah, et ben écoute, sur speedrun.com, hein, c'est là où j'ai pris mes références, là, nous avons Akisto en 1.23.24, il y a une semaine. Ah, bah ça doit être nouveau. Speedrun.com, les nouvelles références, j'aurais dû y aller, c'est vrai. Bah, c'est surtout que j'ai essayé de comparer plusieurs leaderboards, parce que c'est vrai que certains posent leur temps pas tous au même endroit, mais ça a été le temps le plus bas que j'ai trouvé. Eh bien, faisons confiance à Super Mario World sur speedrun.com.
C'est ça, ok, Akisto, ouais, ça va être ça alors. Bon, du coup, après le reste, lui par contre, n'est pas changé, c'est X-Paco, Linked et Kakusho. Donc, du coup, Truman est donc le sixième et non pas cinquième comme je l'avais annoncé. Tout à fait. Bon, donc, on va attendre, hein. De toute façon, moi j'ai juste à regarder le chat US, si je vois que ça spam des pique-niques, etc., c'est que c'est toujours pas up. C'est juste quelqu'un qui a dû marcher sur un fil. Hein. Ça y est, c'est re-up. Ça va relancer à la frame, instantanément sur le stream français. Alors là, on n'a même pas 2 secondes de décalage avec le stream US. C'est beau. Ah ben sur le layout, le hangout, normalement, on est, oui, on est quasiment direct. Il y a quasiment. Mais c'est bon. Là. Alors, du coup, c'est revenu. Alors, donc rappelons un petit peu le programme. Après Mario World, nous avons donc Yoshi Island en 8%, donc la run glitchy également, et ensuite le Cannon Block, les Awful Game Don't Quick, de 6h, bon, à peu près 7h on va dire, jusqu'à midi. Vous êtes chanceux. Chaussons. Que des bons petits jeux tout pourris, mais qui sont agréables à regarder parce qu'ils sont what the fuck-esque. Il y a quand même des belles découvertes. Hein. Oui, oui, tout à fait. Hein. Souvenez-vous de Kate Schumann. Je me souviens surtout de l'Arche de Noé 3D, celui-là, la dernière fois où SGDQ m'avait fait mourir de rire. Oui. The Babel, avec cet jeu de la Bible aussi. Hein. Oui, aussi, effectivement, The Babel, oui. Alors, on voit quoi, la cam? Pour le installer moment, les câbles, etc. Exactement, en haut à droite, c'est ouais. Toujours le setup. Mais effectivement, je pense je pense qu'ils n'ont pas gardé les mêmes consoles. Non, c'est ça. Ils vont sûrement switcher sur des versions japonaises. Alors, les stats inutiles, évidemment, les stats japonaises, du coup, qui roulent en 60 FPS. Et donc, du coup, ça nous fait gagner 20 secondes, la somme hallucinante de 20 secondes sur la totalité de la run. 20 secondes sur 1h25, on va dire, c'est beaucoup. We have a $20 donation from Royal Blue Wizard, who says, giving a shout out to Mitch Flower Power on behalf of... J'avoue, le Prevent Cell Phone Foundation, là, on a toute la rangée à chaque fois qui est sur le téléphone. Vous pouvez voir Brovermain actuellement à votre image sur son téléphone aussi. Il est en train de tweeter pour faire genre il est sur le chat français, mais ce n'est pas le cas. Il est actuellement en Virginie. C'est vrai qu'il y ressent quand même, hein, ce doppelganger quoi. Ah, je cherchais juste.